Alors peut-être. On pouvait pas avoir fait le tour des rôles sans parler du rôle principal tout de même. Tanjiro, le rôle Slayer par excellence. Après un an et demi de partie, j'ai enfin eu l'occasion de l'essayer. Alors bienvenue dans ce nouveau Demon Slayer UHC. Et attention, ça va vous faire plaisir. Bienvenue dans un Demon Slayer UHC avec le groupe. Demon Slayer V2 à l'ancienne. Alors celle-là, ça fait un an on l'a pas fait. Ancien groupe et tout. Là, ça va donner cette game, les gars. Là, je vous le dis, cette game-là, elle va donner. Hein. Déjà, regardez dans quoi on spawn. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est un jeu Minecraft inspiré d'un loup-garou sur l'univers de Demon Slayer. Dans le thème de ce manga très célèbre, on trouvera plusieurs camps auxquels chaque joueur de la partie appartiendra. Les Slayers avec les personnages principaux du manga qui doivent éliminer les démons, et ces derniers qui devront au contraire tout faire pour ne pas se faire repérer et pour trahir au bon moment. Bon, comme tout début de partie, vu qu'on spawn sans rien, on récupère tout ce qui pourrait nous être utile avant de partir miner, comme une partie classique finalement. Et pendant qu'on mine, vous remarquez direct qu'on est sur un vieux scoreboard et une vieille version du jeu. En effet, exceptionnellement, on jouait sur une ancienne version de Demon Slayer. Donc pas de train et surtout pas d'ennemis. C'est très important de le signaler pour plus tard. Y'a pas trop de surprise au niveau de mon rôle aujourd'hui, je serai bien le personnage principal. Alors peut-être. Merci mon dieu. Mais non, je n'en reviens pas. Ça y est, enfin. Je n'en reviens pas. Tanjiro, mais enfin en fait. En plus, je crois que je suis dans une ancienne version, donc c'est cool. Oh putain, merci. Enfin, on est ce fucking rôle en fait. Et mon rôle est vraiment intéressant. Avec Tanjiro, je peux flairer les démons autour de moi 3 fois dans la partie. En gros, lorsque je taperai cette commande, ça me dira combien de démons se trouvent autour de moi. Mais ma mission dans cette partie sera surtout de trouver l'assassin. Vous savez, l'assassin, c'est ce boost que reçoit un démon choisi aléatoirement et qui lui permet d'avoir 2 cœurs en plus. Ce terme assassin prend maintenant tout son sens. Car c'est écrit, si je tue l'assassin de ma famille, j'obtiendrai force 1 permanent. Pour m'aider à trouver l'assassin, je recevrai alors un message toutes les 5 minutes m'informant si durant ces dernières, l'assassin s'est trouvé à moins de 5 blocs de moi. Je vais donc mettre en place une stratégie pour essayer de faire le tour des joueurs petit à petit et noter qui n'est pas assassin. Enfin, évidemment, je suis en duo avec Nezuko, mais je ne connais pas son identité. Il faudra donc être discret pour qu'elle ne se fasse pas repérer. Sinon, je serai désavantagé jusqu'à la fin de la partie. Alors en fait, je vais vous expliquer le rôle. Pour ceux qui connaissent pas, je vous l'explique, je vous la fais très simple, ok? Ce rôle, comment on va le jouer? On va sortir directement dehors parce que le but là, c'est de trouver l'assassin. Parce que si on tue l'assassin, on a force 1 perma, donc c'est très fort. Donc ce qui va se passer les gars, c'est qu'on va sortir le plus tôt possible dans la game. Bah merci beaucoup le jeu. On va essayer d'aller choper le plus d'informations possible. Parce qu'en gros, toutes les 5 minutes, vous verrez dans le chat, je vais avoir un message qui va me dire vous n'avez pas croisé l'assassin durant ces 5 minutes, ou vous avez croisé l'assassin durant ces 5 minutes, ou un truc comme ça. En tout cas, ça va me prévenir, tu vois, si je croise l'assassin ou pas. Et l'objectif, c'est du coup d'accumuler un maximum d'informations sur un maximum de joueurs pour trouver l'assassin et que je le tue de ma main. Si je le tue de ma main, si je le trouve et que je le tabasse, eh bien c'est gagné. Ça fait plaisir et donc on va peut-être kiffer de ouf notre game. Et ça régale. Ça va être très simple. Je vais faire la lame directement aussi, hein, évidemment, hop. Et comme tout Slayer, j'en profite également pour crafter une lame, qui me donnera un effet aléatoire parmi résistance, force, speed et j'en passe. Et visiblement, la chance me sourit aujourd'hui. Je vais faire la lame de suite, allez, s'il te plaît, donne-moi lame de résistance, ou lame de speed, s'il te plaît. Surtout pas la lame no fall et surtout pas la lame de force, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur, en fait. Hop. Allez. Oh oui, monsieur! Ça y est, j'ai enfin de la chance sur les rôles, ça y est, on n'en revient pas. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais avec mon rôle, j'ai aussi un pouvoir, activable avec une blaze rod. Ce pouvoir me donne des effets sympas pour un temps limité. Mais attendez, où est la blaze rod? T'as pas récupéré ta blaze rod? Ça par contre, j'avoue que... Oh non, mais j'avoue que par contre, c'est le malaise là, attends. Attends, mais j'avoue qu'il y a... j'ai un problème là, j'ai pas ma blaze rod. Hein. C'est quand que le rôle a été annoncé? C'était avant, hein. C'était là, je crois. Je devais être full inventaire. Ça le drop pas même quand je... Oh, il est là. Ça allait dropper, ça allait dépop hein, les items là les gars. Ou ça a failli être chaud hein, les gars, hein. Je vais pas vous mentir là, ça a failli être tendu hein. C'est cool comme, comme petit rôle, c'est sympa. On va essayer de faire une bonne game avec, je suis très content de l'être. Et puis voilà, donc Nezuko va venir me voir hein, en espérant que ce soit, imagine c'est Gep ou quelqu'un comme ça. Ça serait trop bien en vrai, franchement on passerait une game de folie. Ça serait incroyable, je pense que je vais sortir à 35 minutes. Pour être honnête avec vous, je pense que je vais vraiment sortir le plus tôt possible pour essayer de gratter directement un max de pseudo. Et parce que là toutes les 5 minutes ça va être très important maintenant hein, de sortir. Il me faut un diams là vite, s'il vous plaît monsieur, j'ai envie de sortir. J'ai envie d'aller jouer au jeu en fait. Non mais tu sais quoi, je vais gratter un diams au centre. Je pense honnêtement, je sors comme ça, je gratte un diams au centre. Honnêtement, il faut que je commence à jouer maintenant. Je m'en fous, j'ai 45 d'or, c'est que dalle, j'y vais en fait. Je pense que j'ai le rôle où il faut commencer à jouer très tôt, donc j'y vais maintenant. On s'en fout. Je demanderai un diams à quelqu'un au centre et puis c'est parti, tu vois. Je décide de sortir extrêmement tôt pour mettre en place ma stratégie pour trouver l'assassin. Comme je saurai toutes les 5 minutes si j'ai croisé l'assassin, donc à 25, puis 30, puis 35, puis 40 minutes, etc. Je vais essayer de trouver au moins une personne avant 40 minutes pour essayer d'éliminer déjà des joueurs sur ma liste potentielle, à savoir là tous les joueurs de la game. Et il y a 33 joueurs, donc faut pas traîner. En tout cas, j'espère que ce retour des game groups vous régalera. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On rush les 400 000 abonnés avant la fin de l'année. Alors merci beaucoup. Ok, bon bah on est good. Hein. Vas-y, go 0-0 très très vite. On va essayer de commencer à croiser des gens. Et ce qu'on va faire, les gars, c'est que du coup, on va. Là, on est à 35 minutes. Donc en vrai, le temps que j'arrive au centre, normalement, j'aurais croisé au moins quelqu'un. Là, dans pas longtemps, j'aurais croisé au moins une personne. Donc pour qu'à 40 minutes, ça me dise si j'ai croisé l'assassin ou pas. Je sais pas s'il va y avoir quelqu'un au centre, honnêtement. On va essayer de noter les gens. J'ai un bloc-notes à côté. Donc je suis prêt à noter tous les pseudos des gens que je croise. C'est à combien de blocs il faut que je sois? 5 blocs. Hein. Donc faut vraiment que je me colle. Ce serait bien de croiser au moins, genre, allez, 3-4 personnes. Ce serait top là.
là. Bon, après, ça m'a l'air un peu énorme. Je pense à 36 minutes, il y aura personne, je pense. Hein. Pour être honnête, quand je suis Tanjiro, je sors tout le temps au centre très très vite. Donc en vrai, peut-être que ma Nezuko le saura. Ça dépend qui est Nezuko. On verra bien. Allez, 30 secondes peut-être pour croiser au moins une personne. Mais ça m'a l'air compliqué là. Ah, je suis peut-être sorti un peu trop tôt. Mais là, l'avantage, c'est que je suis sûr de croiser absolument tout le monde quand ils vont arriver au centre. Hein. Ça, c'est sûr que là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui pop devant moi là sans comprendre pourquoi. Bon, eh ben dommage en vrai. Bon, on va attendre un petit peu hein, du coup là. Par contre, 5 Gapples, c'est vraiment à chier. Hein. Ça va être terrible. Hein. C'est bien, on joue en prenant du risque, c'est parfait. Oh, s'il y a quelqu'un là-bas. Ok. Gap! Ça va les gars ou quoi là? Vous avez pas un diams s'il vous plaît? Juste un. Voilà, ouais, merci. C'est bon, tranquille. Si, merde, mon ref. Merci pour le stuff cap. Parfait. Salut Marwan Dodo. Wesh, allo, ouais. Marwan, tu passes ton bac cette année? On m'a posé la question dans mon chat. Ouais, pourquoi? C'est dans une semaine? Ouais. Bah, en ça vrai, fait plaisir alors. Non, en vrai, au calme, mais... Des fiches, mais qui fait ça, frère? Bon, là, j'ai 6 pseudos, les gars. Gap, Dragioxtoma, Marwan, UR Trail. Donc là, dans 2 minutes, tout pile, si jamais il y a écrit dans le chat que j'ai croisé l'assassin, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas, eh bien, ça veut dire que du coup, c'est parmi ces 6-là, mais ça n'arrivera certainement pas. Il y a certainement pas Nezuko avec eux, parce que sinon, à mon avis, une personne aurait cherché à me suivre déjà. Donc pour l'instant, on a l'air d'être plutôt bien là-dessus. En vrai, ça peut être très rapide, en vrai, hein, pour le coup. 1 minute 30 à attendre. Donc là on attend, on reste loin exprès hein, bien sûr. Le truc c'est que si jamais je sais que c'est pas parmi les 6, je peux retourner avec les 6 hein. Je peux y retourner et je sais que je peux être tranquille. Genre je peux noter que les pseudos que j'aurai en plus, tu vois. Ouais, y a Gap à côté encore. Y a Walda par exemple. Walda, tu vois, j'ai pas envie de le prendre dans la liste là actuellement, tu vois. Quoi qu'en vrai, je peux peut-être le choper en vrai. Vas-y, je vais essayer de le choper dans la liste direct et ce sera mon 7ème et dernier comme ça moi. Oh putain, y a trop de gens mec. Ah ouais non, y a trop de gens, c'est chaud en vrai. Je vais attendre, j'irai tout à l'heure. Y a qui là? Marwando de Risto. On va prendre Risto à la place. Eh salut mon gars, ça va ou quoi en fait? Vous aimez bien vos rôles? Franchement les gars, je vais t'écouter. Je suis dégoûté à la mort hein. Ouais. Et toi t'es dégoûté? Bah attention, tous les rôles ils sont à chier mec hein. J'ai pas croisé, donc là je peux rester à côté d'eux. Donc là j'ai croisé personne, ça fait plaisir déjà. Bon, j'ai fait le détective avec 7 personnes entre 40 et 45 minutes. Et visiblement il n'y a pas l'assassin parmi eux. Je note donc tous les pseudos des gens espionnés. Et je vais continuer à m'approcher d'autres personnes du coup. Avant mon rôle tu vas être sombre aussi. Oh frère. Ah je te jure. Franchement, mon ratio en V2, franchement, il est pas... Une utilisation parfaite de ma commande. Deux démons se trouvent autour de moi. Et ça tombe bien, il n'y a que deux joueurs autour. J'en conclus donc que Marwan et Risto sont démons. Hop, ça fait déjà deux traîtres de trouver. T'as pas de stuff, toi, je déjà, suis épuisé. Quoi j'ai très mal miné. En encre-le, je suis une pièce, enfin... Voilà. C'est putain, merde. Incroyable, hein. J'ai pas eu de diamant, moi. Gap, je peux te faire confiance? Oui, pourquoi? J'ai des méchants. T'as des méchants? Ouais. Attends, est-ce que c'est... Mais eux ne le savent pas, qu'ils se font confiance en... Enfin, qu'ils sont démons tous les deux. Ok, est-ce qu'il y a un chef des méchants dedans ou pas? J'en sais rien, mais j'espère que tu me douilles pas, quoi. Non, je douille pas. En fait, j'ai besoin de l'info. Enfin, je veux pas les attaquer maintenant, mais l'info, si tu me donnes l'info, ça peut être très très utile. Et écoute, au pire, tu me brain, mais Marwan et Risto sont démons. Ok, merci, je retourne au centre et t'inquiète pas, je vais pas leur dire, ça se trompe. J'ai envie de lui faire confiance, vas-y, frère. J'ai trop envie d'espérer qu'ils soient avec moi. Ok, j'en ai 7 à nouveau, hein, là, les gars, des gens. Hein. J'en ai 7 à nouveau, donc on va juste faire attention. On va peut-être attendre un petit peu, en vrai, là, du coup. J'aurais dû faire une commande. 84, mais non. Mais non! Eh, en vrai, un petit tennis là sur Switch Sport après ou quoi là? Attends, je lance le jeu, je vais chercher mes Joy-Con que j'ai déjà rangé parce que je ne sortirai pas. Sur ce groupe-ci, on va tester Nanox, Clem, Walda, Zeny, Scott, Naxor, Restum, Fuka. T'as des méchants toi? Comment tu sais ça? Je sais pas, Nanox il est passé, il a dit ouais, c'est plus des méchants. Comment c'est ça Nanox? N'est-ce pas Nanox, tu me disais que tu m'as dit qu'il avait des méchants. Ça y est, j'ai enfin croisé l'assassin durant les 5 dernières minutes. Ce dernier se trouve donc parmi les joueurs suivants. Ton rôle il est bien ou pas? Ouais, je suis rôle sur la partie, je suis positif. Ok. Je sens qu'un bel avenir m'attend. Salut, que genre, ouais, je te crois pas. Il est forcément dans les gens que j'ai croisés là, donc c'est certainement Nanox, Clem, Fuka, Marwan, je l'ai recroisé. Ok, je vais refaire, mais c'est sûr que c'est parmi ceux-là. Je vais attendre un peu du coup là, je vais attendre un tout petit peu, mais c'est sûr que c'est ça. Là, j'ai recroisé Nanox, Clem, Fuka, Marwan, Omega Gap, en sachant qu'il y a 3 démons dans ce groupe-là. Oh, ça va, tu t'amuses toi? Ça va. Bon bah si tout va bien alors, c'est le principal. Tu t'amuses toi? Ça va, pour l'instant ça va. Moi, je pense avoir un mec de ça. Ah bon, tu penses qui? J'ai confiance en Clem. T'as confiance en Clem? Ouais. À 100%, t'es sûr? Sûr. Et qu'est-ce qui me dit que... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai confiance en Clem. Ouais, c'est tout. Et j'ai confiance en toi. Ah, t'as confiance en moi aussi. T'es ce que je pense du coup. Oui. Mec, faut que je te dise. Marwan, démon, et en fait, il y a l'assassin entre Nanox, Clem, Fuka, Marwan, Omega... Gap. Attends, je vais retester là. On attend dans 2 minutes 30, je vais savoir. Mais là, les 5 dernières minutes, j'ai croisé Nanox, Clem, Fuka, Marwan, toi et Gap. En sachant que j'ai fait ma commande au milieu de vous, il y avait 3 démons. Et ça t'a compté dedans du coup? Bah du coup oui. Donc ça veut dire qu'entre Fuka... Parce que Clem est le K. Ok, Clem et le K. Entre... Ok, attends, entre Nanox, Fuka... Et Gap, y a un démon. Il semblerait que Omega soit Nezuko. Et ça paraît très logique. On s'est éloigné, il m'a confié cette info pile à moi. Ok. Il me dit aussi avoir 100% confiance en Clem et moi. Et s'il dit vrai, ça retire donc 2 joueurs de ma liste de l'assassin. Ce qui est parfait pour avancer dans l'enquête. Parce que là, je l'ai bientôt là. Là, je te jure, je l'ai bientôt. Et de toute façon, c'est simple. Si là, ça me dit dans 1 minute 30 que je l'ai pas croisé, ça se joue entre Naxor, Restump, Walda, Zeny.
Et Scott. Du coup, je refais un tour et je vais finir par trouver. Toi, t'as pas de liste à rien, t'as aucune info, je suppose. J'ai aucune info et j'ai peur que le fait que je sois venu te voir, tu vois, il capte déjà. Tu veux. Viens, je retourne tout seul et au pire, tu retournes en me suivant. Ouais, vas-y. Nanox, c'est peut-être démon en vrai. Parce qu'il cherchait vraiment comme s'il cherchait à m'éliminer, j'avais l'impression. En vrai, Nanox, c'est peut-être démon. Moi, j'ai pas envie d'aller avec eux là. J'espère que ça va me dire là. Oh! 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 C'est énorme. C'est trop bien. Du coup, ok, en vrai, ça me met vachement bien. Ça me met vachement bien parce que je préfère que ce soit dans ce groupe-là. Pas d'assassin en vue dans les 5 dernières minutes. Donc, ça se joue entre Walda, Zeini, Scott, Naxor et Restump. On touche au but. Ça va, Juju? Ouais, ça va. Ça va. Hein. Ok, j'ai chopé Restump et Naxor. Parfait. Là, on va réattendre, mais normalement, on doit être pas mal là, je pense. Oh, Omega, viens 2 secondes. Ça va? Salut. Ça va. Mais t'étais où, toi? Je vais me balader un peu. Bizarre de se balader. Ouais, je suis allé me balader un petit peu, ouais. Gep, j'espère que tu me l'as pas mise à l'envers. Hein. Parce que sinon, j'ai potentiellement des idées sur d'autres méchants encore, mais bon. Et genre, c'est... comment? Plutôt convaincant, tes infos, ou... Ah ouais, hein, en vrai... Bah, j'ai 2 méchants de sûr, quoi. Ah, est-ce que c'est des gros méchants? Ouais. Ok, bon, t'as vu genre Muzan s'éloigner avec un mec, quoi, non? En fait, ouais, voilà, c'est un peu un truc comme ça. Vas-y, c'était proche du Zoro, quoi, ils ont peut-être pas dit ça. Je le savais, frère, je le savais qu'il était démon, je le savais. Ok, donc c'est lui, Marwan, donc Fuka est safe, Gep est safe. C'est bon, on a les 3 démons, c'est bon, je les ai, c'est bon. J'en étais sûr. Je n'avais absolument pas confiance en Nanox ici, qui me semblait trop intrusif. Il voulait vraiment être au courant de ce que je savais. Effectivement, il y a bien 2 démons autour de moi. Sauf que dans ces 2 démons, il y a aussi Omega, qui est Nezuko, et donc qui est compté dedans. Ce qui signifie que Nanox est le seul réel démon. Une occasion parfaite. Tu comptes attaquer bientôt ou pas? Est-ce que vous avez ouais. Vu ouais c'est possible, ouais c'est possible que je compte t'attaquer, ouais, peut-être. Ah ouais? Ouais. Ok, stylé. Ouais, regarde un peu, hein. Ouais. Ah oui. Aidez-moi, tu es le haut. J'ai confiance en toi, Gep, c'est bon. Je suis désolé, je voulais l'attaquer très très vite parce que en fait je pense que je me doutais qu'il était méchant. Vraiment je pense que là si je l'attaquais pas maintenant, à mon avis il allait aller voir le Muzan et trucs comme ça et... Tous les 3 on est safe du coup, si tout se passe bien, si j'ai bien capté le truc. Je suis ok de ton rôle. Non enfin... mais normalement je connais pas ton rôle mais normalement on est safe. Je pense, si tout se passe bien. Ok, donc c'est pas Naxor, c'est pas Restum, c'est Scott, Zeini ou Walda, l'assassin. Let's go, c'est parti. 1 heure de jeu, une nouvelle fois pas d'assassin dans les 5 dernières minutes. Alors que j'avais croisé Restum et Naxor. Il reste donc Zeini, Scott et Walda. Ça va? Ouais, tranquille. Gep, c'était quoi l'histoire de Fekun avec Nanox? Non, mais c'est Nanox qui a plein de plus. Non, c'est moi qui l'ai tué, alors, hein, si vous posez la question. C'est moi qui l'ai tué, voilà, comme ça au moins vous savez. Oui, c'est moi qui l'ai tué, comme ça vous savez. Parce que je savais qu'il était méchant. Non, mais j'étais en plein milieu du sang, Nanox. Il me posait trop de questions parce que. Tu l'as attaqué sur des suspicions parce qu'il posait trop de questions ou il y avait un peu plus que ça? Non, je t'ai dit, ça faisait partie des 2 méchants sûrs que j'avais. J'ai confiance en Gep, il y a que Omega, j'ai un doute. Et Fuka aussi, j'ai confiance normalement. Fuka aussi d'ailleurs, je crois. Je pense. Oui, normalement, Fuka aussi, j'ai confiance. Mais là, normalement, je n'ai vu que Scott, hein, si tout se passe bien. Hein. En vrai, je vais faire un truc de ouf, les gars, c'est que je vais bait et je vais dire que j'ai confiance en un démon. Genre, pour le coup, attends, je vais dire que j'ai confiance en Resto. Bon, je tente un peu une stratégie un peu foireuse. Comme beaucoup de gens commencent à me demander des infos, il y a forcément des slayers, mais aussi certainement des démons dans le tas. Ainsi, vu qu'ils semblent avoir pour la plupart compris mon rôle, je vais leur dire que j'ai confiance en un joueur qui est démon. Pourquoi, vous allez me dire? Car si jamais ils ont réellement compris mon rôle, ils vont savoir que Tanjiro fait forcément confiance à Nezuko. Et Nezuko, c'est le rôle qui doit être trouvé et tué par Muzan, le chef des démons. Ainsi, si je leur donne un faux pseudo, ils s'attaqueront peut-être entre démons directement. Bon, c'est un peu bizarre comme stratégie, mais on verra ce que ça donne. C'est surtout pour essayer de protéger Omega pour l'instant. Mais après, Gep, il était. Gep, c'est vrai que je l'ai vu arriver, mais en vrai, normalement, Gep, si tout se passe bien, j'ai confiance en lui. Et Aristo aussi, normalement, j'ai confiance en Aristo aussi. Richard, tu fais confiance à des gens, toi? Moi? Ouais. Non. Mais j'ai des gens à qui ne pas faire confiance. J'ai du Flint. Ah ouais, t'as des gens à qui ne pas faire confiance, genre qui? Mais ça veut pas dire qu'ils sont méchants. J'ai vraiment des gens à qui je ne dois pas faire confiance. Allez, s'il te plaît. Ok. Et est-ce que t'as un autre méchant de Walda sur 100%? Normalement ouais, mais bon, je préfère attendre un petit peu. 1h05. J'ai croisé Scott dans les 5 dernières minutes et ce n'est pas lui. Cela se joue donc entre Zeini et Walda. Quoi qu'il arrive, dans les 5 prochaines minutes, je saurai qui est l'assassin que je dois attaquer. T'as vu Zeini ou Walda? Un des deux? Salut. Est-ce que t'as vu Zeini ou Walda quelque part là? Ils sont juste là. Les deux dont tu parles, ils étaient au centre en train de dire qu'ils s'étaient fait accuser par quelqu'un qui était peut-être le Kagaya, mais que c'était faux. Voilà ce qu'ils ont dit. Un truc du genre. Ouais, ils viennent de dire ça il y a 30 secondes. Kagaya, bien vu. Zeini, tu t'es fait accuser? De quoi? Vous vous êtes fait accuser? Non, pas du tout, pourquoi? Ok, non, parce que j'avoue. C'est quoi tu parlais avec Kage ou là, en gros, si tu veux savoir, je pense que. Ok, dans 5 minutes, j'ai l'info. Si là, dans 5 minutes, ça me dit
pas que j'ai croisé l'assassin, c'est que c'est Walda. Il y a plus aucune chance que je passe à côté. Là, parce que là, il me reste que Zaini et Walda. Ça se joue entre les deux. Donc là, j'ai vu Zaini, je m'éloigne. À 1h10, si ça me dit pas que j'ai croisé l'assassin, c'est Walda quoi qu'il arrive. Eh les gars, dans 5 minutes, ça va, on va jouer. Si vous avez envie de jouer, si vous êtes pas démon, si vous êtes démon, les gars, je suis dégoûté, frère. En fait, non. C'est ça mon problème, tu vois. Je te jure que non. Si vous êtes démon, je suis dégoûté. Mais Gap, il peut pas être démon normalement, bah, parce que sinon, il y a un problème avec mon rôle. Vous en pensez quoi de Zaini? Je sais pas, je trouve un peu bizarre. Ouais, mais t'as trop d'infos, frère, hein. Je sais pas ce que tu peux être. Hein. Ouais, c'est bizarre. Hein. Alors, franchement, crois-moi que tu vas très très vite comprendre mon rôle, ouais, si tu veux savoir. Mais t'es Nezuko. Non, non, pas du tout. Non, non, Nanox avait compris ce que j'étais, mais. Enfin, pas ce que j'étais, mais ce que j'avais vu, entre guillemets. Et du coup, pour Pac, enfin, je me doutais qu'il allait le répéter à des démons qu'il connaissait, du coup, je préférais le buter direct, en fait. Tu sais, quand tu m'as dit Marwan plus l'autre, oui. Est-ce que. Enfin, t'as dit qu'ils savaient pas qu'ils étaient ensemble, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, garde le deuxième pour toi, s'il te plaît. Ouais, non, t'inquiète, c'est pour ça que j'ai dit ça. Parce que okay. Vraiment, en gros, ça servira si jamais je décède. Ouais, c'est bizarre, là, tout ce que tu dis plus tard, t'es vraiment Nezuko, là. Ouais, mais non. Pourtant, non. Mais non, mec, en vrai, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop bien. Eh ben, on va aller jouer aux jeux vidéo, je crois, les gars. Et donc, 1h10, toujours pas d'assassin alors que j'avais croisé Zaini. J'ai donc fait le tour de tous les joueurs de ma première liste contenant l'assassin, sauf Walda. Par déduction, je connais donc l'assassin et je ne vais pas attendre pour passer à l'action. Après, si on croise... en fait, ça dépend si on croise. Ah, ça peut être Walda normalement. Normalement, c'est Walda. En fait, à un moment, quand on retournait du centre, il y a Flas qui retournait du centre. Je lui ai demandé avec qui il était. Il a dit qu'il était avec Marwan. Bah ouais. Bien, Flas, on fait un petit tour, toi et moi. Oh, les groupes. Bien sûr, frère. Flas aussi, je pense qu'il est méchant parce qu'il s'est éloigné avec Marwan. Donc en vrai, je vais le noter. Honnêtement, Flas, pour l'interrogation, mais je vais le noter. J'ai aussi noté Bichard en point d'interrogation parce que je le trouvais vraiment très peureux. Il vient de se passer une dinguerie là. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une cage. La cage Chobax en 1v1. Ah bon, qui Bichard. Mais voilà, frère, je te l'avais dit que Bichard il était méchant, tu vois. C'est trop marrant. Il y a un démon dans le tas, j'ai envie d'attaquer, mais il y a trop de gens, frère. C'est le jour, hein. C'est le jour, ils ont pas d'anaki, mais il était pas avec eux avant. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Le problème, c'est que si je vous dis ça, je me dévoue, mais si j'attaque, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Ok. Laissez-moi faire quoi? On te laisse le kill ou? Ah, mais il doit être temps de jouer. J'espère vraiment que je me trompe pas. J'espère vraiment que je me trompe pas. L'assassin. Ok, c'est Chobax du coup, c'est Chobax du coup. J'aurais dû attaquer, frère, j'aurais dû attaquer. Je suis sûr, on va plus le revoir. Alors, j'espère qu'il peut m'emmener. Ouais, j'espère bien aussi. Hein. Et ça se complique directement. Omega vient de mourir. J'espère que ma stratégie ne l'a pas condamné. Cela me donne l'effet faiblesse permanent. Raison de plus pour attaquer l'assassin vite. En ayant force, je pourrais contrer cet effet faiblesse. Mais la question, c'est qui a pu tuer Omega? Je pense que c'est Marwan. Je pense que c'est Marwan. Le Muzan? Ouais. Non, l'assassin. Non, je pense que c'est Marwan, le Muzan. C'est Thomas qui l'a attaqué. Ouais. C'est Thomas? D'accord. Là-bas, là. Ouais, c'est... Mais Thomas est qui? Néo. Ouais. Tu es Nezuko? Oui. Ouais. C'est qui? Ok. Thomas, Néo, etc. Et ils sont barrés juste après. Ah, Thomas, Néolithique, Walda, tout ça? Non, on sait pas parce qu'on a fait, on a pas suivi. On a trop... Putain, j'aurais dû attaquer. J'aurais dû attaquer, putain, je le savais, frère. J'aurais dû attaquer. En vrai. Même s'il y avait, mais il y avait juste 10 000 personnes en fait parce qu'ils savent pas faire des groupes. Les groupes sont horribles, par contre. Du coup, vous avez fait quoi? C'est très suspect. Thomas, Drajok, c'est une disaster class qu'ils nous ont proposé. Bah, sympa. J'allais le dire. Bon, pas joué. Laisse-le. Le... Quoi? Oh, oh non! Oh il non, c'est Daki du tarot! Non, c'est Daki assassin, putain! Bon bah, finis-toi. Attends, cette version de merde! Oh ça non! Désillusion totale! Walda est bien l'assassin, mais il est Daki ou Gyutaro. Et donc, tant que son frère ou sa sœur ne meurt pas également, il va respawn à l'infini. Même en l'ayant tué à l'instant, je ne peux donc pas profiter de cet effet force, car il n'est en réalité pas mort. Il y avait une extrême faible probabilité que ça arrive. Mais évidemment, vous connaissez ma chance. Il va donc falloir qu'on trouve aussi l'autre du duo Daki et Gyutaro, et que je l'élimine aussi avant d'éliminer Walda. Et là, j'aurai enfin accompli ma mission. Mais ça s'annonce compliqué. Mais attends. C'est horrible. C'est pas possible. Quand on est arrivé au centre, et c'est Nanox qui l'a dit, justement. Mais on y a... les tue les autres là, non? Y a Zaini. Il y a Zaini quand il a tué. Non, mais clamez les Kagaya, clamez les Kagaya. Il y a Zaini qui a dit à Walda, ça fait une minute que je te cherche. Et pourquoi vous avez tué Nezuko? Qui c'est qui a tué Nezuko? Qui c'est qui a attaqué? C'est le groupe Atoma. Thomas, Drajok, c'est Néolithique. D'accord, parce que du coup, il y avait vraiment Daki avec eux là, hein, du coup, je viens de fumer. Moi, je pense que c'est méchant. Non, pas du tout. Walda? Pas du tout. Vraiment pas. Bah, en fait, c'était soi-disant en duel avec Walda quand t'arrivais. Non, sûr, parce que quand vous êtes arrivé, apparemment, vous êtes dit, ça fait longtemps que je te cherche. Ah, je suis doom, les gars. Je suis fini topipo. Putain, j'aurais pu avoir force perma et j'aurais pas force perma du coup. Je l'avais trouvé l'assassin, je l'ai buté, hein, mais j'aurais pas force perma. Du coup, il y a vraiment. En vrai, faut que je pose une question à Captain Hardcore. Mais Walda, il est. On prend Clem avec nous, non? Ouais, Clem peut venir avec nous. Viens avec nous, Clem. Clem, si tu veux, pour ta vie, viens avec nous. Bah oui, sans van, il était à moins de 5 blocs. Sans van, je l'ai buté, frère. Bon, Clem, pas sûr qu'il faut que tu restes avec eux, hein, du coup. Hein. Oui.
Yorich. Mais t'es pas avec eux? Ah, je suis deck, mais du coup, y'a aucun moyen que du coup que. Même si je tue le Gyutaro, y'a aucun moyen que. Bah, faut tuer. Si, faut que tu tues Gyutaro dans les 5 minutes après avoir tué Daki. Non, non, quoi. Non, je crois qu'il faut que tu tues Gyutaro. Faut que tu tues Gyutaro d'abord, puis Daki en deuxième. Oh la galère. C'est impossible, hein, c'est vraiment littéralement impossible. Ah, Tengen. Tengen. Ah ouais, ok. Claire, on sait, t'inquiète, tu peux nous le dire. C'est le Mumu qui a fait le kill, hein. Et c'est qui? Et c'est qui? Trasket. Ah ouais? Ok, bah j'ai pas vu de la game. Bon ok, donc on est tous safe ici. Normalement, méchant, il y a du coup Papa Bichard, il y a Marwan Nanox que j'ai buté, Risto. Parce que Risto... En gros, c'est pour ça, tu vois, que c'est pour ça que je disais que j'avais confiance en Risto. Parce que si je crevais, je voulais que les gens ils pensent que ce soit Risto en fait, Manizuko. C'est qui? C'est qui? Bah, c'est qui tous les attaques Shirim, y a... Mais c'est qui? Amine. Tous ceux qui étaient avec Chobax quoi. C'est vrai qu'on a pas le meilleur des groupes, hein, marrant pour fight, hein. La vache. Ah bah là, ouais, frère, j'ai weakness. Ouais, là, ça va être compliqué. Le gap d'ailleurs. Je sais pas, il est parti, mais je pense qu'il est au bonheur, ouais. C'est vrai qu'il y a un monde où Gap est juste Jigoro, il va retrouver son Kyaku parce qu'il peut pas rester avec nous s'il veut stack des cœurs. Hein. Moi, je pense vraiment qu'il est au bonheur. Ah oui, non, c'est sûr, il est au bonheur. Parce qu'il m'en a dit qu'il avait besoin de mon information, pas pour les buter ou quoi, mais pour des trucs, pour la game. Donc je pense qu'il est au bonheur et qu'il est allé se mettre en invisible à côté de Risto et Marwan tout à l'heure. Et du coup, là, il doit être à côté. Bah voilà, ah, bah il est pas au bonheur. Il est Jigoro, hein, il est Jigoro, il est parti chercher son Kyaku. Hein. Ah, mine, tiens, regarde là-bas. Il est en train de mourir. C'est les seigneurs qui sont en train de fumer des démons. Ouais, faudrait qu'on le retrouve, hein. Du coup il a respawn. Faudrait qu'on le trouve lui et son mate, mais je sais pas qui c'est en fait. Ok. T'es où toi? Bah y'a des méchants en dessous, j'ai croisé des méchants. Mais t'es parti où? Ouais, mais t'étais parti où mon ref? Bah y'avait des méchants, j'ai croisé le groupe du musée. Oui, mais t'es parti où? Mark et Naxor, ils sont méchants. Mais t'es parti où? T'es où? Bah quand je suis arrivé du gravier, ils étaient en train de courir après Stain, qui est Kagaku. Pas très long. Ah, chérie Makaza, ok. Je trouve ça bizarre ton histoire, Gap. 5 à 15 minutes dans les plus de jours. Reculez, reculez, c'est Muzan et tout. Bah, voir le tabasse, non? En vrai. Allez, allez, c'est bon. Et... Si, si, Marwan est méchant aussi, tuez-le. Pourquoi? Ah ouais? Okay. Moi, je sais que Scott est pas méchant. Non, mais frère, toi aussi t'es des méchants. Vraiment pas. Mais regarde, tu me tabasses, frère. Hein. Tu traces qu'il y a des méchants, tout son groupe est méchant. Ouais, ils sont tous démons là, frère, ils sont tous démons, votre groupe là. Bah, il faut des narcos, je pense. Oui, on va aider des narcos, t'inquiète. Et du coup, Marc et tout sont méchants aussi, si traces qu'il y a des méchants. Les trucs. Oui, Marc aussi, Marc, on sait qu'il est méchant, oui. Vas-y, vas-y. Le... Lui il est Muzan, hein, ouais. C'est fini, Mumu. Okay. Vous avez des gardes ou quoi? Des bots, moi. J'en ai toujours que 4. Hein. On fait notre groupe, hein. On fait notre groupe là, du coup, de 5. Hein. Vas-y. Hein. Ils sont que 8, les démons, faut limite passer à 3. Moi je vais me faire éclater, je pense. Bon, on fait quoi comme groupe? En vrai, Guigiz, vas-y. Hein. Là, je t'avoue. Ouais, mais mec, de toute façon, dans le groupe, de toute façon, dans tous les cas, faut mieux laisser faire. Ah, on va laisser faire les autres. Ouais, mais je peux faire quelque chose. Ah ouais? Bah nickel alors, vas-y go. Est-ce que je peux utiliser mon pouvoir encore même si Nezuko est morte? Ouais, je crois. La danse? Ouais, ouais, bien sûr. Wesh, ça dit quoi? Ça dit combattre. Non, les gars, ils m'ont mis du poison! Ok. Viens. Tu es prêt? Tiens, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bah oui, on se tape. On y va. Oh, trop bien. Dans la logique, je me retourne et je combo. On tabasse. Vas-y. Dommage, si on fait qu'un kill là-dessus, c'est dommage. Pourquoi je suis sérieux? Pourquoi? C'était ouf! Mais t'es Gyutaro, Daki Gyutaro. Non, je suis gentil, Ah ouais. Oh, s'il est Daki Gyutaro, je vais tuer Walda et c'est bon. Vas-y. Oh les mechanics. Oh les. C'est bon. Oh, attends, oui, c'est lui. Daki, ok, ok, je tue Walda et c'est bon. Si je tue Walda, mec, c'est gagné. Ah, du coup, t'es quoi? T'es Sanemi, toi, c'est ça? Non, je pense pas, hein. Regarde la vite fait là. Non. C'est trop fort. Tu peux ton TP sur Walda et avoir ses couilles, on va le chercher genre. Ouais, mais après est-ce que c'est mort? Je t'avoue que tant que Chobax est pas mort, je sais pas si c'est bon plan quoi. J'ai marché sur un piège de rue, je vais péter les plombs. Ah oui, il y a un piège de rue ici. Oui, il y a un piège ici. Déjà que j'ai pas de gap, alors en plus de ça, frère, ça passe sur l'apso? Normalement, ça prend sur l'apso, non? Ouais, tu prends les dégâts sur l'apso. Et t'as pris une minute là? 50 secondes de poison. Oh, c'est long. Déjà que j'ai pas de gap. Non, mais mec, j'ai pas de gap en fait pour me régénérer. Ouais, justement. Non, bah autant prendre sur l'apso. Hein. Non, c'est bon, regarde, je prends 4 gap, c'est bon. Laisse-toi un demi-cœur. Bah ça va là, il reste 30 secondes. Tu me heal après, Shinobu, s'il te plaît. Tu me heal, Shinobu, s'il te plaît. C'est grave. S'il te plaît, Shinobu. Il l'a dit, Amine, vous l'avez pas entendu? Non. Bah non. Amine, il a dit, oh, il m'a poison. Ah, mais oui, mais putain, je pensais que c'était Fuka quand il a dit ça. J'ai même pas entendu. J'étais plus concentré sur le fait de me dire est-ce qu'il y a Chobax dans le tas là. Guigiz, à tout moment là, si tu me détestes, tu me mets genre un petit coup, je suis mort là. Vas-y, go maintenant. Vas-y. Mais j'ai pas de message. Pourquoi j'ai pas de message? Vas-y, s'il te plaît. Attends, je crois que j'ai déjà été en V2 et... Je suis un demi-cœur. What? Mais j'ai pas de message. Attends, je vais peut-être gap une fois. Vas-y. Let's go, merci mon gars. Merci.
Ah mais attends, ils sont en train de se faire démonter. Ah, non, toujours rien, tu sais qu'ils ont un bon groupe. Oui, hein, quand ça même, va être chaud. Hein. Bah ouais, là, Stain, ils... Stain en face. J'ai mis Fleur, hein, j'avais mis sur le Mezano KO et là j'ai mis 5. Eh bah tiens, ah, ils sont là, ils sont là. Je crois que c'était groupe de 4. Oh non. Mais c'est Jigoro, c'est Scott le Jigoro. C'est Scott le Jigoro. Oh putain, fais chier. Bon, bah du coup, au moins on connaît le Kaigaku et. Oh, salut. Oh non, pas encore. Vas-y, oh, hein. Vas-y, mec, tu veux, vas-y. Fais sûr, tu sais qui. Dépêche-toi, dépêche-toi, ah, c'est bon. Vite. C'est bon, c'est fait, vas-y, on tabasse, on les tabasse, on les tabasse. Tu veux ? Chobax, t'es où ? Oh, il est fini, vous ferez rien pour rien. Run, ils ont. Ça a mis Chobax en cliquage, j'ai des problèmes. Marwan est pas bien du tout, hein. Il est en poison et tout, hein. Faut l'attraper, vas-y. Ah, il doit être un demi cœur. Ouais, c'est bon, je cours. Go, sans le moque. Oui. J'ai nice, mort. Let's go. Putain, bien joué, mec, t'as trop bien utilisé ton pouvoir, hein. J'en ai plus. J'ai mis la faute de poison dans la gueule, là, il pouvait rien faire. Non, mais en vrai, c'est bien, là, on a bien joué, hein, pour le coup. Hein. Il faut que je retue Naxor, du coup, si je tue Walda, mec, on a... j'ai strength sperma, c'est trop fort, hein. Il était coco chez moi, j'ai bien fait de pas le 1v1, hein. Du coup, oh, je vous le dis, hein, mais 99% sûr, le gap il est Shinjuro. Bah ouais, c'est possible, hein. Et ils sont pactés 3 Non, impossible. Non, impossible. Ah, et genre parce qu'il est, non, il est parti de DS Listen. Oh, y'a Walda. Ah, mais. Je pense que c'est Goro Game. Ah non, c'est. Scott. Bah non. Guil est pas dans le. Eh, hey, Walda, reviens, hey, frère, j'ai besoin. J'ai besoin de. Julien est plus loin. J'ai besoin de. Il a TP. Pas de problème. Et j'ai peur de mettre trop de coups. Je sais pas combien de vie il est. Non, non, mais de toute façon, on s'en bat les couilles. Non, non, j'ai pas TP, il s'est barré. Non, non, il a couru. Vous pouvez le tuer. Ok. Vas-y, on peut. Ouais bah il est pas mort Ouais mais... C'est bon. Bah du coup je l'ai eu. Mais... Ça change rien. C'est pareil de toute façon dans tous les cas. Comment ça change rien? Mais en fait le truc c'est que là j'ai pas l'assassin parce que je l'ai déjà tué une fois. Mais vu qu'il est Daki, il faut que je tue d'abord Gyutaro et après Daki. Ah, je savais pas. Du coup dans tous les cas moi je suis condamné. Oh ça fait chier, hein, ça serait simple. Mais du coup Gap est 100% safe du coup. Ouais du coup Gap est Zenitsu. Ou alors il est Zenitsu pacte 3 mais il serait avec. Bah là il est mort là du coup. Ouais il est mort. Avec Agaku, ok il est mort, ouais. Par contre, ouais, Chobax, du coup, Chobax, ça fait oh, chier. Chobax, je peux plus le TP, hein. j'ai fini. On va se faire un Akimé, mais du coup, c'est quand qu'on doit prendre le timing? Là, ils n'ont pas. Là, ils n'ont pas. Là, ils n'ont pas pendant 7 minutes. Bah, ouais, si on le trouve maintenant, hein, de toute façon. Hein. Faut aller au 0-0, hein. De toute façon, 0-0, c'est là-bas, mais bon. T'as trop deg, n'empêche que ce soit lui l'assassin. Je suis tellement deg. J'ai tué 3 fois Daki Gyutaro, j'ai envie de péter les plombs. Bon, là, ils ont la cage dans une minute. Et en plus, il fait nuit dans une minute. Au pire, venez, on se donne déco. Si jamais on voit un groupe où il y a Chobax qui nous fonce dessus, en vrai, tu peux TP all et on se donne déco, au pire. Attends, mais il y a les démons. Bah on y va. Mais genre nous on fight à votre place. Ouais. Ah mais ils sont là. Bon Amine a... C'est sûr ferme les gars. Charum. Charum. Wow mais ça va les flèches là. Bon allez viens, vous êtes... Je voulais qu'il me TP. Enfin Amine tranquille. Ouais t'inquiète. Naxor reste à côté, hein. Mais j'ai pas de flèche en fait, ça me fait trop chier. Naxor tu viens. De toute façon, ils vont cache. Ils vont cache. Vas-y TP, fuka, fait. Vas-y. Non. Je crois qu'on est tous les trois là mais ils sont pas là. Il est où Narco? Viens. On arrive. Viens. Tu peux venir ici? Ok, il y a Amine tout seul là. Viens, on est là. Venez. On tabasse Chobax. Ah, vite, j'ai mon garde du corps Naxor. Ouais, moi je suis tombé en bas, les gars. Faites-le tomber en bas. Non. Tu pouvais. Oh non, Fuka, désolé. Tu m'as fait peur, hein. C'est vrai, mon garde du corps. T'inquiète, on tabasse Chobax. Ah, ouais, t'inquiète. Mais moi aussi, je suis lourd en fait. J'ai extrêmement mal joué malheureusement. J'ai tenté de tuer Nakime pour tous nous sauver dans la cage. Et j'en ai même oublié mon pouvoir avec la Blaze Rod. C'est terrible. J'étais tellement concentré sur tuer Daki et Gyutaro toute la partie que j'ai oublié que j'avais aussi d'autres possibilités avec mon rôle. Mais c'était l'une des premières fois que je le jouais, donc normal que je fasse des erreurs, je pense. Bon, ma partie s'arrête là pour moi, mais les Slayers vont quand même s'en sortir, eux. Là, il s'est mis la force là. Exactement. On l'a vu arrêter pendant une seconde. Allez, bon win, let's go. Les petites gaps de Fuka à côté là. Oui. Oh, ouais, ils sont là, moi. Mitsuri, Shinobu, Sanemi, c'est pas tu mal. Vois, tiens. Laisse-le tranquille, frère. Oh, là, mais GG. Non, je vais pas faire ça. Et on remporte finalement cette partie de Demon Slayer UHC. Même si je suis mort, on a gagné. Bon, j'ai vraiment pas eu de chance au niveau de l'assassin. C'est surtout ça qui a été décisif de mon côté. Mais j'ai voulu vous partager ma découverte personnelle du rôle. Un gameplay un peu différent des autres que vous pouvez voir avec ce rôle-ci. J'ai quand même fait pas mal de kills avec mon effet faiblesse. Mais finalement, je n'aurais pas réussi à tuer l'assassin. Je n'ai même pas joué avec Nezuko finalement. Mais cette partie enquête m'a vraiment plu. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Alors si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. Dites-moi aussi quel rôle vous voulez que je teste à présent en commentaire, même si je sais qu'il y aura 500 commentaires disant Nezuko, voilà. Et enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura notamment la vidéo Zilan qui sort ce week-end, ce serait quand même dommage de la rater, non? Allez, des bisous à vous!